Monsieur la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui l'est, nous pral garder, nous pral tendre vidéo ça. Non pam, c'est Wendy Fell. Petite, bon Dieu, avec un pile plaisir, un pile l'amour, comme d'habitude, moins content, retrouver mon micro là. Moi, peut-être, une autre vidéo d'information pour nous. Système non frappé, une autre fois encore, après, yote fin assassiné président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour y 7 juillet 2021 qui sont passés là. Juge Chanlat, nous connaissons qui dans l'actualité depuis quelques jours, depuis le LTFIN accepté prendre dossier Jovenel Moïse en tant que juge pour être capable d'instruire, eh bien, juge là, mesdames et messieurs, obligé Badba, li mariti paquet li dit dossier ça, li trop lourd pour lui, et puisque le système n'est puissant, puis li pas les victimes, eh bien, mesdames et messieurs, li di li la gen dossier ça li remet li voyel tourner bay doyen tribunal première instance Port-au-Prince doyen gen obligation pour que le cherche un autre juge pour capable instruire affaire mais quant à lui même juge Chanlat li di li lave mail nan dossier ça trop pour lui n'a pas rappelé doyen tribunal première instance Port-au-Prince te choisi juge Chanlat et juge Chanlat te accepté après li te fin checker plusieurs autres juges qui ont même été refusé accepter dossier ça. Eh ben mesdames et messieurs, juge Chanlat, il t'a prend pile frappe nommé en série de petit système non, tant coup Pierre Espérance, RNDDH, tant coup FJKL, on série de bagaille que n'relé organisation qui a défendre droit monde dans pays a été frappé a frappé monsieur depuis quelque temps là. Je tellement prend frappe, il est obligé bailler vague. Nous pral vin avec plus de détails et nous pral vin avec commentaires. Mais en tant que haïtien monte pour nous monsieur. Nous-mêmes qui sommes avocats, juges, commissaires gouvernement qui a fonctionné en dans ça que nous le système judiciaire dans pays d'Haïti en vérité monte pour nous. Et bêtise que nous qu'on habitué à faire là non justice là dans Port-au-Prince. Puisque pas de gagner des affaires qui étaient internationalisées. C'est seulement nous-mêmes, haïtiens, qu'on bêtise qu'on a fait là. Mais là, avec le dossier Jovenel Moïse, là, en vérité, tout derrière nous apparaît net au niveau international et le monde entier pourra regarder comment nous-mêmes nous l'aide dans le pays. Ça, restez connectés, mesdames et messieurs. Dans la vidéo, ça, nous prenons le parler de conseil électoral provisoire que Guilherme Mesadieu a pas dirigé, qui lui-même a pas frappé. Guilherme Mesadieu parlait après le fin, voyez nouveau calendrier, by le Premier ministre Ariel Henry, et gagné un dernier communiqué que conseil électoral provisoire publié là, il fait que voyez-le pour nous, nous prenons le potel pour un petit moment. Ou même qui pourquoi abonner avec Unisson nous, si ça ne dérange pas, bon petit pouce là, abonner, like et puis laisser un commentaire. Ou même qui déjà abonné, qui l'a très longtemps avec nous, n'a pas en vérité. Merci en pile parce qu'on fait une confiance ou apprécier travail ça que n'a fait. Merci, pas négliger, bon petit pouce tout, like et puis partager vidéo ça un peu partout pour l'autre monde capable d'entendre et garder ça n'a dit là parce que c'est des bagailles qui extrêmement important. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas l'empile, n'a pas rentré dans le détail information. Président Jovenel Moïse, un président qu'un pile monde estimait qui était un pile ennemi, puisque monsieur t'a parlé en parole qui t'a allé dans l'intérêt peuple, qui t'a allé dans le sens peuple, et c'est peut-être ça, limon. Ok, yo assassiné président dans l'unité 6 privé 7 juillet 2021 la KLI, et nous connaît son groupe mafia dans le pays d'Haïti qui dépensait un pile million. Qui te voyait chercher des militaires colombiens pour venir assassiner le président Lacaille. En pile cop dépensé, nous connaissons ça. Actuellement, il y a pile monde qui est en prison. Mais jusqu'à maintenant, mettre affaire, yo toujours à circuler là dans Port-au-Prince. Y a parlé dans la radio toute la journée. C'est comme si m'ta dit nous, c'est des saints que. Et malheureusement, nous avons bagay que nous les justices qui pourtant pas existé, qui pas jamais arrivé. Au contraire, yo même, y a commenté en série de. Y a fait commentaire sur une série de nègres qui actuellement là, trouvé au Anda Pénitentiaire National, tant que Dimitri Era, etc., etc. Mais yo même qui mettent affaire, qui dépensaient, qui créaient, quit opération. Qui menait, hein, qui aboutit, hein, à assassinat président, eh ben, yo même, yo nan la, jusqu'à présent. Ok.
Un mois après, ou bien plus d'un mois après, nous connaissons le doyen tribunal première instance pour le Prince-Lan, Maître Bernard Saint-Ville, il était un gros problème pour le joindre un juge d'instruction pour te traiter affaire. Bon, finalement, après plusieurs juges, t'es fine, dit non, il n'a pas accepté un dossier Jovenel Moïse là. Eh bien, il y a un juge Mathieu Chanlat qui lui-même, et monsieur te prend pause green play, mais lui, il t'a accepté un dossier. Eh bien, une fois que juge Chanlat t'a fin accepté dossier ça, eh bien, quelques heures plus tard, petit système t'a commencé à frapper. Là, m'a parlé de petit système, nous capables de parler, par exemple, de Pierre Espérance, RNDDH, FJKL, M. Samuel Madistin, on sait de l'autre moun yo te commencé à attaquer un juge là. Pas un besoin, si t'en sais de moun qui a parlé dans la radio. Mesdames et messieurs, juge là, li prend frappe. Yon nan pi gros frappe que juge là t'a pral prend. Nous te parlé de ça hier. Gagné yon greffier qui habitué travail avec lui. Qui te gen problème asthmatique, monsieur prend, monsieur te non zone qui était un peu en ébullition, ben gen gaz, gen balle qui t'a tiré, monsieur semblait prend gaz n'a pas fait le bien, etc. Et puis monsieur t'a pral mouri. Mais qui sa système nan dit, système nan monté nan radio, il fait connait. Là me dit système nan, c'est une façon de parler pour me pas citer nos moun parce que moi même pas veut faire trop ennemi. Moi trop ennemi déjà dans la République. Mais si pour me citer occupé non hein m'a cité non m'a cité non par exemple Pierre Espérance, M. Samuel Madistin, des moun qui gagne des bagailles que les organisations de défense des droits humains nous ouais qui frappé juge là, mais vraiment yo frappé juge là en pile. Eh bien, mesdames et messieurs, qui ça système nan te dit après l'amographie, ou fait connait que greffier moui, c'est après le te fin gon discussion avec un juge Jean là qui même des soi-disant médias en ligne qui déclarait que juge là c'est premier suspect non la mort greffier yo fait qu'on est ou bien yo voulait faire qu'on est ce juge là qui touyer greffier l'aime dit nous ça système ça qui participe dans touyer président Jovenel Moïse ben yo t'es campé en face juge là et pas 24 là depuis plusieurs bagaille que les organisations qui défendent droit moun frappé juge là à travers des prises de position des notes que au publié l'aime dit nous ça juge là. Si avant hier, si avant 7 juillet, Jovenel Moïse, c'était un ennemi de la République, mais juge Jean-Lat, c'était un ennemi de la République. Monsieur tellement recevoir menace, monsieur obligé by vague. Monsieur by vague, mesdames et messieurs, il s'est déporté de l'affaire Lydie. Doyen tribunal pour instance que lui-même il pas peut gérer dossier ça, eh ben doyen l'a fait à dossier lui-même, en tout cas lui voyait dossier à retourner by doyen. On regarde mesdames et messieurs document ça sous écran après 13 août 2021. Qui ça dit là-dedans? Il dit comme ça: nous mettons Mathieu Chanlat, juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, vu réquisitoire déformé que parquet Port-au-Prince vu ordonnance que juge doyen juge Bernard Saint-Ville doyen tribunal là prend côté il était désigné comme juge qui t'a traité affaire hein? Attendu que par ordonnance du doyen le dossier des nommés Christian Emmanuel Sano, James Sola, Joseph Vincent, Gilbert Dragon et consorts inculpés de présomption grave d'assassinat, de tentative d'assassinat, d'acte de terrorisme, vol de nuit à main armée et d'association de malfaiteurs au préjudice du président de la République monsieur Jovenel Moïse et son épouse et Marie-Étienne Martine Moïse a été distribué en notre cabinet d'instruction criminelle. Attendu que le juge d'instruction peut se déporter de la connaissance du dossier à n'importe quelle phase de procédure. Par ces motifs, nous nous déportons du dit dossier pour des raisons de convenance personnelle et ordonnons son retour au doyen de ce tribunal pour les suites de droit. Donnez de nous, maître Mathieu Chanlat, juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, le vendredi 13 août 2021. Donc, en bon créole, le juge l'a dit que il a été choisi pour être capable et traiter, pour être capable d'instruire dossier et Emmanuel Sano, James Sola, Joseph Vincent, Gilbert Dragon et consort, tout le monde a été inculpé puisque il y a des présomptions graves qui a pesé sous dos, qui t'a fait croire que tu participé dans assassinat, dans tentative d'assassinat, dans commettre des actes de terrorisme, dans voler affaire Jovenel Moïse dans la nuit 6 privé 7 juillet. Eh bien,
lui-même, et puisque juge d'instruction est capable de retirer colle dans dossier, dans n'importe dossier que l'a traité à n'importe quelle phase de procédure, eh ben, lui dit, lui déporte il, hein, déporte il, et lui retire colle dans dossier ça, pour des raisons personnelles, et lui demander pour retourner dossier à bah, doyen tribunal là, pour que doyen capable chercher un autre juge pour traiter dossier. Bon, système nan, li frappe yon l'autre fois encore, et la justice dans le pays d'Haïti, bon, ça n'est la n'est la justice là, li montre dans qui niveau li l'aide. En tout cas, international là, abgardez-nous encore une fois, nous montrer dans quel niveau que l'aide à faire justice dans le pays d'Haïti, bah ça n'a pas existé. La justice dans le pays d'Haïti sont véritable association malfaiteurs que liés quand on joint juge entre parenthèses ou joint avocat entre parenthèses ou joint commissaire gouvernement entre parenthèses, tout le monde sous bras, tout le monde a fait corruption, tout le monde a volé, tout le monde a fait malerie et injustice et tout le monde a défendre gros criminels justement qui a fonctionné avec eux, puisque les criminels, c'est souvent des gens qui a dépensé pour les gens. Bon, bref, dis-nous ça, monsieur, le monde entier a regardé. Si nous passons tout le temps, nous a fait timalaise, injustice, n'importe quoi, et que, bon, par les gens qui ont nous, les haïtiens, pas vraiment parler de bagaille, ça, c'est, hein, mais dossier Jovenel Moïse, là, en pile, pays qui a gardé, il y a des gens qui suivent, et ils font. Ils ont salvé, ils nous font ça. C'est internationalisé, ils ont internationalisé, et l'aider nous. Ok? Donc, c'est extrêmement important pour nous comme ça. Moi, je te dis déjà, bagaille ça, que nous avons là, que nous avons les justices là. On soit disant justice qui participe dans tout le président. M'ba koumen même bagay sa kon rele justice la capable bay fami président à justice pour capable arrêter en tout cas assassin qui touye président, parce que assassin qui touye président ou bien moun qui tou moun qui participe dans assassiner président yo te servi avec même bagay sa kon gen la nou rele justice pour ta touye. Ben même yo même puisque yo pas jamais dans prison, yo là dans la rue, ben même yo même là a toujours fait tout effort que yo capable pour utiliser même système ça pour utiliser on sait de petits esclaves qui a fait travail pour 2-3 gourdes, pour 2-3 dollars américains, pour capable empêcher que justice là hein ça ils font petit effort pour que gon vérité qui sorti dans dossier ça. En tout cas, est-ce que Jovenel Moïse a joint justice? Est-ce qu'il y a arrivé à arrêter moun qui dépensait millions pour aller chercher Colombien ou pour te venir tout le président? Question ça, je dis à la, il y a tout sens. Après, juge Mathieu Chanlat fin déporter le dossier parce que tout simplement, la recevoir gros pression dans une série de moun qui fait partie du système. Nan. Non mais on série de héritiers système non, notamment on série de bagaille que nous relais organisation droit monde dans un pays d'Haïti. N'a quitté dossier ça, n'a retourné sous lit demain avec plus commentaires et le ça n'a bonne possibilité pour parler dans l'émission live que n'a fait demain si Dieu veut. Conseil électoral provisoire, nous te parlons de ça, publié yon l'autre calendrier et gagné président conseil électoral là qui parlait. Mais bien avant de faire nous faut tendre président conseil électoral provisoire qui t'a pas parlé, on communiqué numéro 16 qui sorti aujourd'hui. Qui ça conseil électoral provisoire dit la dame pour nous. Le conseil électoral provisoire informe le public en général et les partis politiques en particulier que le tirage au sort en vue d'attribuer un numéro à chaque parti ou groupement politique aura lieu le mercredi 18 août 2021 à 2h PM. Donc, conseil électoral l'a fait connaître. Mercredi 18 août, Cap Vinila, eh ben, il a fait tirage au sort pour parti politique nous connaît qui inscrit pour participer dans l'élection Cap bien pour fête dans le pays. Le conseil, par ailleurs, invite les responsables des partis et groupements politiques qui ont manifesté le désir de se faire enregistrer ou confirmer, mais qui n'ont pas pu le faire à cause des pièces manquantes, à finaliser leur dossier jusqu'au mardi 17 août 2021 à 4h PM. Donc, conseil là, bail yon tir à longe pour des mouns qui voulaient al inscrit, hein, partis politiques qui ont pu capable participer dans l'élection. Et yon gagné jusqu'au mardi 17 août 2021 à 4h PM pour faire ça.
Bon, c'est ça, en tout cas, nous lisons dans le communiqué numéro 16 que le Conseil électoral provisoire a publié. Maintenant, nous avons plaisir pour nous faire entendre le président du Conseil, Guylaine Mesadieu, qui t'a parlé, qui t'a répondu à une question journaliste. En tout cas, elle a parlé. Hein. Entendez-le, nous avons retourné pour des commentaires. Avant un calendrier avec des scénarios différents qui pour permettre que nous-mêmes nous arrivions proposer une date qui claire pour capable réaliser premier tour élection yo 7 novembre k'ap vini là. Bon, c'est sûr que gen en pile moun qui pas pour élection bien qui pas vle élection ou bien tout qui pas wè élection comme solution avec crise paysan qui fait ça fait vacarme ou bien qui courir la guille sur réseaux sociaux pour faire propagande. Mais nous même ça certain, nous même nous croyons que élection c'est meilleur chemin lié pour moment ça. Parce que en face situation nous y là, tout le monde qui a parlé, qui a dit constitution pas dit X, constitution pas dit Y, lui même tout le bagage sa constitution a dit pour retirer nous dans sa nouye journée jeudi, nous quoi seul moyen qui capable permettre que nous retirer tête nous dans sa nouye jeudi avec conseil électoral ça ou bien sans conseil électoral ça, c'est élection lié 7 novembre pour premier tour élection. Nous gain pour nous faire travail dans niveau conseil électoral. Faut pas oublier conseil électoral là son institution indépendante liée. Comme nous en face une situation délicate, ou gain toujours gain de changement qu'a fait par consensus, nous discuter autour de ça. Mais conseil électoral là c'est celle institution qui gain ça dans mandat li dit mais qu'il est élection a fait. Pas gain l'autre institution qui est ça dans mandat. Journée jodi an, quel que soit quatre figures qui présenté an, nous croyons que nous-mêmes nous font proposition avec ou sans conseil électoral ça, c'est seul moyen qui pour permettre que 7 février 2022 nous gain un président qui prête serment, qui investiture, qui entre dans palais national. Et nous croyons que quel que soit monde qui bataille journée jodi an sous terrain an, il y a un flou total parce que il y a beaucoup ouais qui côté on va le sortir parce que tout dans tout monde là toute société qu'on a deux problèmes mais ou doit capable garder un plan A un plan B un plan C. Nous même nous seul Haïti qui reste focus seul ça qui a changé pays à cette transition et comme si c'est première fois pour le grand transition dans pays à nous même moi même qui là moi même moi crois que côté nous est là avec absence président Jovenel que en pile nan yo pas vle jodi an si yo vle cohérent tête yo si yo vle vraiment montrer que c'est affaire pays à régler on met un seul point dans encore qui c'est élection et puis que ce conseil électoral la vienne après gagne de date qui est parti que nous obligé que nous t'ai perdu que nous obligé récupérer ça vient faire que nous gagne de date très important pour nous qui rive modifier nous modifier date pour premier tour là et nous obliger modifier date pour deuxième tour là mais avec vraiment de marge très serré qui capable permettre que nous sauver échéance constitutionnelle là pour monde qui voulait vraiment entrer dans schéma c'est élection qui doit faire pour permettre que nous sortir côté nous là vu que nous croyons que c'est pas tout le monde qui veut élection parce que au passé presque gagne 8 ans à 10 ans y a goumé pour transition nous croyons que nous même dans niveau conseil électoral là nous pas fait provocation nous même dans niveau conseil électoral là nous te dit n'a pas poursuivre avec activité nous yo côté nous rivé élection ka fait n'a bien content s'il fait mais nous même nous croyons dans élection nous même nous fait choix parce que celle en Haïti moi mon nous fait choix démocratie et puis au père démocratie yo père fait ça qui aller vers la démocratie. Bon, nous avons deux dates qui très précises, c'est 7 novembre et 23 janvier. C'est premier tour, deuxième tour, élection. Yeah, nous jouons un pile parti politique qui plaignait de ça. Mais ça, certains, nous avons une date que nous avons mise, qui te dit, après l'assassinat du président, nous mettons deux semaines pour permettre que le parti vienne inscrit. Nous croyons que nous avons un pile dans yo. C'est deux partis tout qui passaient ici là, yo qui tombent bout de pièce, yo qui pas de carte d'identification nationale là, qui c'est un document important qui vous permet que ou même participer parce que sou pas de qualité électeur ou pas ka venir inscrire un parti politique, d'ailleurs pas ka voter. C'est ça et nous même dans niveau conseil là, nous pas dit que nous
nous pas camper parce que nous t'es campé pendant 2 semaines pendant président assassiné et nous t'es venu relancer. Ça veut dire nous qui quelque partie qui écrit nous pour demander nous pour nous reporter date là. Mais ça que certain pour nous on pas reporter non pour nous prolonger. Mais ça que certain nous t'es bail temps pour partie qui intéressé ou inscrit. Nous t'es bail temps et partie qui t'es gain pour confirmer yo. Si yo même gen ensemble de partis qui étaient déjà inscrits dans niveau conseil électoral là qui t'ai gen pour passer confirmer yo pas confirmé parce que yo pas prêt pour participer même si nous avancé date pour élection nous t'ai déjà fermé ça qui certain nous même moi même personnellement qu'a parler moi pas parler totalement pour tout conseil là si yo pas si on l'est dans niveau conseil électoral là 8 membres yo t'a décidé après l'ouvrir m'pa pral dit que il fermé totalement. Si tu as gagné un l'autre, bon, comme il y a un accord politique qui a été depuis 1900 jamais pour que les gens arrivent, si tu as un accord qui dit que il y a de l'autre parti qui vient de rentrer, nous pas dit que le pape jamais l'ouvrir, mais quand même, nous-mêmes, nous fermons. Michel Etapio, c'est le parti politique yo, numéro qui attribue à lui-même avec emblème yo, et nous-mêmes, dans le niveau conseil, là, c'est ouvrir une plateforme qui peut permettre parti politique yo inscrit candidat yo. Bon, bureau de vote yo, tout bagay est déjà OK pour référendum nan parce que nous t'ai déjà fait tout ça qui t'ai gain pour faire dans question centre de vote yo. Comme des jours en juste situation a gagné de l'autre changement qui fait, ça qui arrivé par rapport à registrant qui relouvrir, ça capable arriver gagné de l'autre centre de vote en plus qui a ajouté. Mais en majeure partie nous t'ai déjà fini identifier centre de vote yo. Il paraît il bien écrit n'a fait élection référendum. Ça veut dire nous-mêmes qui dans niveau conseil électoral là, pas gain aucun côté ou pour nous rester un bon matin pour nous dire nous pas faire référendum. N'a fait élection, n'a fait référendum parce que une nan bagaille qui mettait nous là journée aujourd'hui en sont arrêté présidentiel qui nan men nous, n'a arrêté présidentiel là, il dit que n'a fait élection référendum. Sitôt que DAJ fin travail, n'a pas mis liste là-dedans.